Chez Jeanne, la Jeanne, son auberge est ouverte aux gens sans fenilieu. On pourrait l'appeler l'auberge du bon Dieu, s'il n'en existait déjà une. La dernière où l'on peut entrer sans frapper, sans montrer patte blanche. Chez Jeanne, la Jeanne, on est n'importe qui, on vient n'importe quand, et comme par miracle, par enchantement, on fait partie de la famille. Dans son cœur en se poussant un peu, reste encore une petite place. La Jeanne, la Jeanne, elle est pauvre et sa table est souvent mal servie, mais le peu qu'il n'y trouve assouvi pour la vie, à la façon qu'elle le donne. Son pain ressemble à du gâteau et son eau à du vin comme deux gouttes d'eau. La Jeanne, la Jeanne, on la paie quand on peut des prix mirobolants. Un baiser sur son front ou sur ses cheveux blancs, un semblant d'accord de guitare, l'adresse d'un chat échaudé ou d'un chien tout crotté comme pour boire. Heureux. La Jeanne, la Jeanne, dans ses roses et ses choux, n'a pas trouvé d'enfant, qu'on aime et qu'on défend contre les quatre vents, et qu'on accroche à son corsage, et qu'on arrose avec son lait, d'autres qu'elle en serait restée chagrine. Mais Jeanne, la Jeanne, ne s'en soucie pas plus que de coller un tampon. Être mère de trois poules piquées, à quoi bon? Quand elle est mère universelle, quand tous les enfants de la terre et du ciel sont à elle.